Ariel Henry pas fouti dormi bien journée jodi a parce que depuis elle marré nan dossier assassinat la mort Jovenel Moïse. Nous pas bon plus information, mais avant n'a mando pour faire un bagage pour nous. Un bagage très important qui c'est abonner ou bien suivre page nous de façon pour capable toujours être connecté ensemble avec nous. Pas oublier like vidéo nous yo, donc ça aide nous, ça encourage nous, ça fait content lorsque nous même nous like vidéo nous yo. Oui, je nous dis ça, bagayo mangon même, bagayo compliqué journée jodi a. Comme d'habitude nous ensemble avec zami nous, Will, comment y fè pam? Bagayo compliqué pour Ariel Henry. Et m'a salué tout fidèle auditeur et téléspectateur Tandé Rosé. Moi je suis vraiment en forme, mais situation pays a encore une fois, chaque fois que je regarde le pays, je ne sais pas si fonctionné, c'est grave. Et dans la vidéo aujourd'hui, nous allons parler de la situation compliquée. Le Premier ministre Ariel Henry trouvé. Et personne ne peut souhaiter trouver une situation. Ça. Donc, c'est l'actualité, ça, nous allons commenter aujourd'hui avec vous. Nous souhaitons et petit chaise bon. Nous allons parler. Exactement, je nous dis ça mes amis, bagaille compliqué. Après un rapport que Pierre Espérance, un monde qui a dirigé RNDDH, fait quoi que monsieur lui-même l'état gain mal crampé sous l'amour assassinat Jovenel Moïse, eh bien il y a un pile preuve qui montrait clairement que ça monsieur te dit c'est vrai. C'est vrai à première vue, un pile monde te pensait clairement que c'est saboté, c'est parler en pile, c'est parler mettre là que Pierre Espérance lui-même n'a pas les mettre là. Mais après quelques enquêtes que moun yo même yo rivé fait, yo rivé ouais, c'est vrai, monsieur lui-même était gain en conversation jour qui était 7 juillet 2021 juste après la mort Jovenel Moïse ensemble avec un assassin, un monde qui était exécuté mission pour tuer Jovenel Moïse là, qui c'est Joseph Félix Badio. Conversation ça il était commencé à 4h03 du matin et puis il était fini à 4h20. Ça veut dire environ 17 minutes de conversation. Qui ça au tab dit comme ça? Pas bien monde qui connaît. Mais nous-mêmes qui c'est monde qui toujours fouille zone dans calalo, monde qui toujours là pour nous porter bon genre information pour nous chercher connaît. Eh bien, nous avons fouillé, nous promettre ça, nous avons venu avec tout ça que monsieur ça yo même yo te parlé dans conversation ça. Mais kounya, on imagine ça. Monsieur ça qui finit touyer Jovenel Moïse ou bien qui participait dans touyer Jovenel Moïse, pourtant des bon conversation 17 minutes ensemble avec Ariel Henry. C'est certain, on est capable de dire ça aussi. Donc c'est certain, c'est question là moi yo t'a parlé. Donc ça montre clairement que t'as semblé que Negio Ariel Henry Gonti, bon, nous pas besoin de filmer Gonti doit être dans la mort Jovenel Moïse. Sans penser sur ça, frère. Oui, situation compliquée pour Ariel. Par où on est. Mais avant même que je fasse commentaire et faire analyse et situation compliquée que Ariel Henry trouvé là-dedans. Je fais comprendre que Pierre Espérance en soi, nous connaissons très bien. Pierre Espérance toujours il y a des rapports tête en bas, qu'elle toujours fait sous. Et pour mettre des situations au pays, tête en bas. Donc, dans ce sens-là, je ne pas fini de citoyen ou bail pour Pierre Espérance en confiance en rapport. Mais c'est effectif. Citoyen ou bail pour Joseph. Badio dans téléphone avec le Premier ministre Ariel Henry. Quelques heures d'état après la mort du président, ça veut dire en pile. Ça veut dire en pile bagaille. Ça veut dire en pile bagaille dans le sens, nous songez qui réaction Ariel Henry a gagné. Les pays amis d'Haïti ont annoncé qu'il a habillé le Premier ministre Claude Joseph. Nous songez réaction M. de gagné. Réaction était simple. De faire comprendre c'est lui-même président qui a choisi, donc c'est lui-même qui doit être premier ministre. Donc, tout le bagage est compliqué. Le premier ministre doit être trempé soi-disant dans la mort du président
et puis premier ministre lui-même qu'on y a coupé pour pouvoir pour lui-même les gars en place. Et ces derniers temps toutes sorties premier ministre Ariel Henry fait pour moi c'est des sorties crap côté de tape défendre par exemple Joseph Badio. Il était affirmé que les citoyens connaissent très bien et M. Bakati Rambé dans la mort de Jovenel Moïse. Exactement. Il y a une opposition qui est en position pour demander pour M. démissionner. Parce que cela fait réaction ça pour le défendre Zamil Joseph Badio. Ça veut dire tout simplement c'est comme si la baille juge pression, la baille directeur la police la pression. Il n'y a pas inculpé Joseph Badio. Donc, tout ça, c'est le premier point d'analyse que nous avons fait. Mais si nous allons plus loin, si nous allons plus loin dans une conversation de 17 minutes, ça, c'est sûr que c'est de l'amour que Jovenel Moïse a parlé. Pas de tout là. Premier ministre, selon moi-même, comme si pas pays n'a fait, hein, premier ministre s'est supposé remettre des démissions bien rapide. Et je songe, et il y a un citoyen, c'était consultant ou bien conseiller et président Jovenel Moïse et monsieur était conseiller tout et Joseph Michel Martelly et monsieur était dit clairement que si lui-même c'est Stanley Lucas monsieur va comprendre si effectivement premier ministre Ariel Henry a prouvé que le pat dans le téléphone qu'il pat qu'on habite pas lui avec Joseph Badio que la jeune tout support comme premier comme ancien conseiller président la balle tout support que un premier ministre besoin pour diriger pays mais si de qui t'a trempé et qu'on a habitué parler dans téléphone avec Joseph Badio il a choisi de démissionner donc j'ai l'impression Stanley Lucas qui était au courant je devais avoir information que premier ministre Ariel Henry doit être trempé dans la mort président comme tu as parlé c'est un coup d'état peut-être. Encore une fois, c'est peut-être nous avons mis des points d'interrogation là. Comme il a parlé d'un coup d'état politique, personne ne m'a dit qu'il n'y a pas de plan. Le plan c'était assassiner le président, briller piste là et puis que n'a pas de pouvoir. Mais c'est Ariel Henry qui est sous pouvoir. Je ne suis pas d'accord avec réflexion. Donc, moi tout à fait d'accord. Donc, ça veut dire bagaille compliqué. Ça veut dire justice pour la mort. Pour l'amour Jovenel Moïse, justice pour Jovenel Moïse, mes amis, bagaille yo vraiment, vraiment compliqué. Bagaille yo compliqué parce que, bon, ça, malgré ces Jovenel Moïse, malgré nous qu'on est peuple à ta content, qu'on qui est ce monde qui touille Jovenel, autant intellectuel, qui coûte plime, qui est ce monde qui finance l'amour Jovenel Moïse, mais bagaille yo vraiment compliqué parce que si même monde qui a gouverné aussi même moun qui dans tel pays a yo gen ti men yo ti dwet yo participer nan sans Jovenel Moïse donc ça veut dire même nèg sa yo y a dit on commencer pourtant c'est bac y a fait sur do et dossier ça et nous capable voir ça tout on prend par exemple 8 jours qui t'est passé a c'est était gen tremblement de terre mais nous pas gen aucune actualité sur la mort Jovenel Moïse au lieu de ça. Je pense que les gens font un bagage comme si pour les gens étaient oubliés de ce dossier. Ça. Si tout le monde était oublié de ce dossier, je pense que c'est plus bon pour eux. Mais malgré ça, il y a quelques avancements qui ont dans le dossier. Ça. Par exemple, il y a un nouveau juge qui décide de prendre à la tête pour lui mener une enquête pour connaître qui est intellectuel qui bail comme ça, qui est intellectuel qui. Casser coup de plume ça pour fêtouiller Jovenel Moïse. Nouveau juge ça c'est Gary Aurélien. Monsieur ça, il était juge déjà Saint-Marc. Après ça, il est venu juge Croix des Bouquets. Donc c'est monsieur qui gagne charge là. Et nous songeons, il y a un tweet que Rockefeller lui fait sortir. Il dit comme ça, là vient monsieur ça, juge ça, là vient tout sous. Alors, il y a vient tout moyen qu'il a besoin. Tout support qu'il a besoin, une façon pour être capable de jouer le monde ça. Mais nous pas on est mes amis. Donc je nous dis ça, nous pas on est mais tout ça que nous voulons, tout ça nous t'a content, c'est pour Jovenel Moïse de jouer justice lui. Pas oublier tout, monsieur Saligien doit pas arrêter sous dossier ça. Je nous compte ça. Tu as un juge
qui était déjà pris un dossier et il était touillé greffier. Donc puisque tu touillé greffier après un petit temps encore monsieur dit dossier ça me lave même tant coupé là. Donc il quitter ça. Donc c'est pour montrer nous comment bagaille là, ils sont dossiers qui vraiment difficile, qui vraiment fragile et plusieurs juges passés sous eux. Donc il y a un juge qui dit même tremper pas tremper même dans dossier ça parce que bagaille eux même yo vraiment compliqué. Ça veut dire dossier Jovenel Moïse là, dossier justice pour Jovenel Moïse là. Donc c'est un peu compliqué mes amis. Bagaille yo vraiment grave dans le pays d'Haïti. Yeah, bah yo grave et changer pas trop jamais les possibilités de partager réaction bon réaction du premier ministre Ariel Henry t'a fait. Il était annoncé que il sortit à l'aise. Donc pays a il va dans question président. Donc il sortit à l'aise. Il a tout pouvoir pour diriger pays en tant que premier ministre. Pendant que l'opposition lui-même beaucoup de parle un exécutif qui est un président provisoire. Donc et ça veut dire Ariel Henry pour qu'on y a et monsieur l'opposition il te fait comprendre que tu as posé question ça. Et qui est-ce qui a bénéficié? Qui peut bénéficier de la mort de Jovenel Moïse? À un certain moment, c'était Claude Joseph. Mais pour qu'on y a là, c'est Ariel Henry. Donc, par contre, c'est une stratégie politique pour qu'un bébé ait une instabilité, dans le sens pour pointer, doit être sur tout le monde qui a dirigé le pays pour décrédibiliser. Si c'est ça, on a bien fait travail là. Parce que Ariel Henry a pris un pile frappe actuellement. Et tout le monde, Tout le monde a commenté l'actualité. Et ça vraiment met Ariel dans une situation compliquée. Est-ce que monsieur a démissionné? Quand j'ai essayé de poser la question ça. Est-ce que monsieur a démissionné? Ou bien est-ce que monsieur a toujours été en place? Et personne ne baronne. Ok? En tout cas, donc c'est ça. C'est toute information que ça ou que nous t'ayons pour nous. Pas oublier, donc bagaille difficile pour Ariel Henry, mes amis bagaille vraiment difficile là. En tout cas, n'a suivre quel que soit ça qui gagne comme actualité, quel que soit ça qui gagne comme nouveauté, donc nous mettre branché parce que tant de causer li là. Donc n'a faut connait tout petit détail dans dossier Jovenel Moïse jusqu'à ce que yo rivier mette la patte sous monsieur ça ou bien monsieur yo qui fait complot ça. C'est un plaisir, nous t'es content ensemble avec nous, à la prochaine. Ariel Henry pas fouti dormi bien journée jodi a parce que depuis elle marré dans dossier assassinat la mort Jovenel Moïse. Nous pas beau plus information, mais avant n'a mandou pour faire un bagaille pour nous. Un bagaille très important qui c'est abonner ou bien suivre page nous de façon pour capable toujours être connecté ensemble avec nous. Pas oublier like vidéo nous yo. Donc ça aider nous, ça encourager nous, ça fait nous content lorsque nous-mêmes nous like vidéo nous yo. Oui, je nous dis ça, bagay yo mangon men, bagay yo compliqué journée jodi a. Comme d'habitude nous ensemble avec zami nous, Will, comme on y est frère pam. Bagay yo compliqué pour Ariel Henry. Et ma salut tout fidèle auditeur et téléspectateur dans déposé. Moi je suis en forme, mais situation pays a encore une fois chaté m'a regardé pays a Jean Bagayou a fonctionné cas grave. Et la vidéo aujourd'hui a nous va parler de la situation compliquée premier ministre Ariel Henry trouvé. Et personne ne peut souhaiter trouver une situation ça. Donc c'est actualité ça nous va le commenter aujourd'hui avec vous. Nous souhaitons et petit chaise bon. Nous allons aller. Exactement, je nous dis ça mes amis, bagaille compliqué. Après un rapport que Pierre Espérance, un monde qui a dirigé RNDDH, fait quoi que monsieur lui-même l'état gemel crampé sous l'amour assassinat Jovenel Moïse, et bien il y a un pile preuve qui montrait clairement que ça monsieur Dédia c'est vrai. C'est vrai, à première vue, en pile monde te pensé clairement que c'est saboter, c'est parler en pile, c'est parler mettre là que Pierre Espérance lui-même il t'a parlé mettre là. Mais après quelques enquêtes que moun yo même yo rivé fait, yo rivé ouais, c'est vrai, monsieur lui-même il était gain en conversation jour qui était 7 juillet 2021 juste
après la mort Jovenel Moïse ensemble avec un assassin, un monde qui était exécuté mission pour tuer Jovenel Moïse là, qui c'est Joseph Félix Badiou. Conversation ça il était commencé à 4h du matin, 4h03 du matin et puis il était fini à 4h20. Ça veut dire environ 17 minutes de conversation. Qui ça au tab dit comme ça? Pas gen moun qui connaît. Mais nous-mêmes qui c'est moun qui toujours a fouillé zone dans calalo, moun qui toujours là pour nous porter bon genre information pour nous chercher connaît. Eh bien, nous a fouillé, nous promettre ça, nous a venu avec tout ça que monsieur ça eux-même yo t'ai parlé dans conversation ça. Mais kounya, on imagine ça. Monsieur ça qui fin touyer Jovenel Moïse ou bien qui participer dans touyer Jovenel Moïse. Pourtant, des grandes conversations, 17 minutes ensemble avec Ariel Henry. C'est certain, on est capable de dire qui ça a dit. Donc, c'est certain, c'est question là, moi, où tu as parlé. Donc, ça montre clairement, tu as semblé que Negio, Ariel Henry Gonti, bon, nous ne pouvons pas dire que Gonti doit être dans la mort de Jovenel Moïse. Sans penser sur ça, frère, pas. Oui, situation compliquée pour Ariel. Par contre, avant même que je commence à faire analyse et situation compliquée que Ariel a retrouvé là-dedans, je vais comprendre que Pierre Espérance en soi, nous connaissons très bien. Pierre Espérance toujours a des rapports tête en bas, qu'elle toujours a fait sous. Et pour mettre la situation au pays, tiens en bas. Donc dans ce sens-là, je ne fais pas faire citoyen au bail pour bien espérer sans confiance en rapport. Mais c'est effectif. Citoyen au bail pour Joseph Badiou dans un téléphone avec le premier ministre Ariel Henry. Quelques heures d'état après la mort du président, ça veut dire en pile. Ça veut dire en pile bagaille. Ça veut dire en pile bagaille dans ce sens. Donc, songe qui réaction Ariel Henry te gagné les pays amis d'Haïti t'as annoncé que a appuyé le premier ministre Claude Joseph. Nous songe réaction monsieur te gagné réaction était simple, il te fait comprendre c'est lui-même président te choisi, donc c'est lui-même qui doit premier ministre. Donc tout bagage ça compliqué, le premier ministre doit être trempé soi-disant dans la mort président et puis premier ministre lui-même qu'il a ou même pour pouvoir, pour lui-même les gars en place. Et ces derniers temps, toutes sorties que le ministre Ariel Henry fait, pour moi, c'est des sorties crap. Côté de l'étape défendre, par exemple, Joseph Badiou. Il a affirmé que le citoyen connaît très bien, et M. Bakat Rambé, dans la mort de Jovenel Moïse. Exactement. Il y a une opposition qui est en position pour demander pour monsieur démissionner. Parce que cela fait réaction ça, pour le défendre Zamil Joseph Badiou. Ça veut dire tout simplement, c'est comme si la baille juge la pression, la baille directeur la police la pression, il n'y a pas inculpé Joseph Badiou. Donc tout ça, c'est le premier point d'analyse que nous avons fait. Mais sinon, allez plus loin. Nous allons plus loin dans une conversation de 17 minutes. Ça, c'est sûr que c'est de l'amour. Jovenel Moïse a parlé. Pas de doute là-dedans. Premier ministre, selon moi-même, comme si pas pays n'a fait, hein, premier ministre, c'est supposé remettre démission bien rapide. Et me songer, et un citoyen, c'est consultant ou bien conseiller, et président Jovenel Moïse, et monsieur était conseiller tout. Et Joseph Michel Martelly, et je te dis clairement que si lui-même, c'est Stanley Lucas, je vais comprendre si effectivement le premier ministre Ariel Henry a prouvé que le pat dans le téléphone, que le pat qu'on a habitué à parler avec Joseph Badiou, que la jeune tout support lui, comme premier, comme ancien conseiller président, la balle tout support que le premier ministre besoin pour diriger le pays. Mais, si de qui t'a trempé et qu'on a habitué à parler dans le téléphone avec Joseph Badiou, il a choisi de démissionner. Donc, j'ai l'impression que Stanley Lucas est au courant. Je sais que tu as une information que le premier ministre Ariel Henry
souhaite être trempé dans la mort. Comme tu as parlé, c'est un coup d'État peut-être. Encore une fois, c'est peut-être nous avons mis des points d'interrogation. Comme il a parlé d'un coup d'État politique, personne ne sait qu'il n'y a pas de plan. Le plan c'était assassiner les résidents, briller les pistes là, et puis, qu'il n'y a pas de pouvoir. Mais c'est Ariel Henry qui est sous pouvoir. Qu'on y a. Par contre, je suis d'accord avec réflexion. Réflexion, mais surtout. Donc, moi tout à fait d'accord. Moi tout à fait d'accord. Donc, ça veut dire que c'est compliqué. Ça veut dire justice pour la mort. Pour la mort Jovenel Moïse, justice pour Jovenel Moïse, mes amis, bagaille yo vraiment vraiment compliqué. Bagaille yo compliqué parce que bon ça malgré c'est Jovenel Moïse, malgré nous qu'on est peuple à ta content contre qui est ce monde qui touye Jovenel autant intellectuel qui coûte plime, qui est ce monde qui financer la mort Jovenel Moïse, mais bagaille yo vraiment compliqué parce que si même monde qui a gouverné aussi même moun qui dans tel pays a yo gen ti men yo ti droit yo participer nan sans Jovenel Moïse. Donc ça veut dire même nèg sa yo y a dit on commence pourtant c'est bac y a fait sur et dossier ça et nous capable voir ça tout on peut par exemple 8 jours qui t'est passé a c'est était gen tremblement de terre mais nous pas gen aucune actualité sur la mort Jovenel Moïse. Au lieu de ça, je pense que les gens ont fait un bagage comme si pour monter qu'à oublier dossier ça, pour monter qu'à si tout le monde est oublier dossier ça, je pense qu'il est plus bon pour eux. Mais malgré ça, il y a quelques avancements qui gagnent dans dossier ça. Par exemple, il y a un nouveau juge qui décide de prendre à la tête pour lui mener enquête pour connaître qui monde, qui auteur intellectuel, qui bail comme ça, qui auteur intellectuel qui tracer coup de plume ça pour fêtouiller Jovenel Moïse. Nouveau juge ça c'est Gary Aurélien. Monsieur ça, il était juge déjà Saint-Marc. Après ça il vient juge Croix des Bouquets. Donc c'est monsieur qui gagne charge là. Et nous songez, il y a un tweet que Rockefeller il fait sortir, il dit comme ça, la vient monsieur ça, juge ça, la vient toute soute. Alors, il y a vient toute moyen qu'il a besoin, tout support qu'il a besoin, une façon pour être capable joindre monde ça. Mais nous pas on est mes amis. Donc je nous dis ça, nous pas on est mais tout ça que nous voulons, tout ça nous t'a content, c'est pour Jovenel Moïse de joindre justice lui. Pas oublier tout. Monsieur Saligien doit pas arrêter sur dossier ça. Je nous compte ça. Tu gon un juge qui t'a déjà prend dossier et il t'a touillé greffier là. Donc puisque tu es tout greffier après un petit temps encore monsieur dit dossier ça me lave même tant coupé là donc quitter ça. Donc c'est pour montrer nous comment bagaille là ils sont dossier qui vraiment difficile qui vraiment fragile et plusieurs juges passés sur eux. Donc il y a un juge qui dit même tremper même dans dossier ça parce que bagaille eux même yo vraiment compliqué. Ça veut dire dossier Jovenel Moïse là, dossier justice pour Jovenel Moïse là. Donc c'est un peu compliqué mes amis. Bagaille yo vraiment grave dans le pays d'Haïti. Yeah, bah yo grave et nous changez pas trop jeune que possibilité de partager réaction bon réaction du premier ministre Ariel Henry te fait. Il était annoncé que il est sorti à l'aise. Donc pays a il parle en question président. Donc il est sorti à l'aise. Il a tout pouvoir pour diriger pays en tant que premier ministre. Pendant que opposition lui-même bon côté parle Léon un exécutif qui est un président provisoire. Donc, ça veut dire Ariel Henry, pour qu'on y a, les oppositions ont fait comprendre que tu as posé la question ça. Et qui est-ce qui a bénéficié, qui peut bénéficier la mort de Jovenel Moïse? À un certain moment, c'était Claude Joseph. Mais pour qu'on y a là, c'est Ariel Henry. Donc, par contre, c'est une stratégie politique pour qu'un bébé y ait une instabilité, dans le sens pour pointer. Doit être sur tout le monde qui a dirigé le pays pour décrédibiliser. Si c'est ça, nous avons bien fait le travail là. Parce que Ariel Henry a pris un pile frappe actuellement. Et tout le monde a commenté l'actualité. Okay? Il a commenté l'actualité. Et ça vraiment mis Ariel Henry dans une situation compliquée. Est-ce que M. a démissionné? Il a essayé de poser la question ça. Est-ce que M. a démissionné? Ou bien est-ce que a toujours été en place baronné et personne m'a baronné. Ok, en tout cas, donc c'est ça
C'est toute information que ça que nous te gain pour nous. Pas oublier donc bagaille difficile pour et Ariel Henry, mes amis bagaille vraiment difficile là. En tout cas, n'a suivre quel que soit ça qui gagne comme actualité, quel que soit ça qui gagne comme nouveauté, donc nous mettre branché parce que tant de causer lui là. Donc n'a faut connait tout petit détail dans dossier Jovenel Moïse jusqu'à ce que Yuvier y mette la patte sous monsieur ça ou bien monsieur yo qui fait complot ça. C'est un plaisir, nous t'es content ensemble avec nous, à la prochaine. Ariel Henry pas fouti dormi bien journée jodi a parce que depuis elle marré dans dossier assassinat la mort Jovenel Moïse. Nous pas avoir plus information, mais avant n'a mandou pour faire un bagage pour nous. Nous bagage très important qui c'est abonner ou bien suivre page nous de façon pour capable toujours être connecté ensemble avec nous. Pas oublier like vidéo nous yo. Donc ça aider nous, ça encourager nous, ça fait content lorsque nous-mêmes nous like vidéo nous yo. Oui, je nous dis ça, bagage yo mangoumen, bagage yo compliqué journée jodi a. Comme d'habitude nous ensemble avec zami nous Will, comment y fait pam? Bagayo compliqué pour Ariel Henry. Et ma salut tout de fidèle auditeur ou téléspectateur dans Dévosé. Moi je suis vraiment en forme, mais situation pays encore une fois chaque m'a regardé pays Jean bagayo a fonctionné cas grave. Et la vidéo aujourd'hui à nous va parler de la situation compliquée Premier ministre Ariel Henry trouvé. Et personne ne va souhaiter trouver une situation ça. Donc c'est actualité ça nous va commenter aujourd'hui avec vous. Nous souhaitons et petit chaise bon. Nous va aller. Exactement, je nous dis ça mes amis bagaille compliqué. Après un rapport que Pierre Espérance, un monde qui dirigeait RNDDH fait croire que monsieur lui-même l'état gain mal crampé. Sous l'amour assassinat Jovenel Moïse, eh bien, il y a un pile preuve qui montrait le manqué. Ça, c'est dédié, c'est vrai. C'est vrai, à première vue, un pile monde pensé que le manqué, c'est saboté. C'est parler en pile, c'est parler mettre là que Pierre Espérance lui-même n'a pas parlé mettre là. Mais après quelques enquêtes que nous même yo rivé fait, il rivé ouais, c'est vrai, monsieur lui-même était en conversation jour qui était 7 juillet. 2021, juste après la mort Jovenel Moïse, ensemble avec un assassin, un monde qui était exécuté mission pour tuer Jovenel Moïse, qui c'est Joseph Félix Badio. Conversation ça, il était commencé à 4h03 du matin, et puis il était fini à 4h20. Ça veut dire environ 17 minutes de conversation. Qui ça vous a dit comme ça? Pas de monde qui connaît. Mais nous-mêmes, qui c'est monde qui toujours a fouillé sur le canal, monde qui toujours là pour nous porter bonjour information pour nous chercher connaît. Eh bien, nous a fouillé, nous promettre tout ça, nous a venir avec tout ça que monsieur ça même il a parlé dans conversation ça. Mais kounya, on imagine ça. Monsieur ça qui finit touyer Jovenel Moïse ou bien qui participait dans touyer Jovenel Moïse. Pourtant, il y a une conversation 17 minutes ensemble avec Ariel Henry. C'est certain, on est capable de dire qui ça a dit. Donc, c'est certain, c'est question là, moi, je t'ai parlé. Donc, ça montre clairement, t'as semblé que Negio, Ariel Henry Gonti, bon, on va dire un film Gonti, doit dans la mort Jovenel Moïse. Sans penser sur ça, frère, pas. Oui, situation compliquée pour Ariel. Pas on est, mais avant même que je fasse commentaire et fasse analyse et situation compliquée que Ariel a retrouvé là-dedans, je fais comprendre que Pierre Espérance en soi, nous connaissons très bien. Pierre Espérance toujours, il y a des rapports, tête en bas, qu'elle toujours fait sous. Et pour mettre la situation au pays, donc, dans ce sens-là, je ne pas fini de faire citoyen ou bail pour Pierre Espérance en confiance en rapport. Mais c'est effectif. Citoyen ou bail pour Joseph Badio dans le téléphone avec le Premier ministre Ariel Henry. Quelques heures après la mort du président,
ça veut dire en pile. Ça veut dire en pile bagaille. Ça veut dire en pile bagaille dans le sens nous songer qui réaction Ariel Henry te gagner les pays amis d'Haïti c'est annoncé que appuyé premier ministre Claude Joseph. Nous songer réaction monsieur te gagner. Réaction c'est simple. Il te fait comprendre c'est lui-même président qui a choisi, donc c'est lui-même qui doit être premier ministre. Donc, tout le bagage est compliqué. Le premier ministre doit être trempé, soit disant, dans le président. Et puis, le premier ministre lui-même a coumé pour pouvoir, pour lui-même être en place. Et ces derniers temps, toutes sorties, le premier ministre Ariel Henry fait, pour moi, c'est des sorties crap. Côté de l'étape défendre, par exemple, Joseph Badio, il a affirmé que les citoyens connaissent très bien et que M. Bakatran B, Nanan Mor et Jovenel Moïse. Exactement. Il y a une opposition qui est en position pour demander pour M. démissionner. Parce que cela fait réaction ça, pour le défendre Zamil. Joseph Badio, ça veut dire tout simplement, c'est comme si la baille juge de pression, la baille directeur de la police de la pression. Il n'y a pas inculpé Joseph Badio. Donc, tout ça, c'est le premier point d'analyse que nous avons fait. Mais si nous allons plus loin, dans la conversation de 17 minutes, ça, c'est sûr que c'est de l'amour que Jovenel Moïse a parlé. Pas de doute là-dedans. Premier ministre, selon moi-même, comme si le pays n'a pas fait, hein, Premier ministre s'est supposé remettre des démissions bien rapide. Et me songer, et il y a un citoyen, monsieur, c'était consultant ou bien conseiller et président Jovenel Moïse et monsieur était conseiller tout et Joseph Michel Matéli et monsieur était dit clairement que si lui-même c'est Stanley Lucas, monsieur va comprendre si effectivement premier ministre Ariel Henry a prouvé que le pat dans téléphone qu'il pat qu'on a habitué parler avec Joseph Badio que la jeune tout support comme ancien conseiller président la balle tout support que le premier ministre besoin pour diriger pays mais si de il t'a trempé et qu'on a habitué parler dans téléphone avec Joseph Badio il a supposé démissionner donc j'ai l'impression Stanley Lucas et qui était au courant c'était qui était gain information que premier ministre Ariel Henry il trempé dans la mort président comme il t'a parlé c'est un coup d'état peut-être. Encore une fois, c'est peut-être nous avons mis des points d'interrogation là. Comme il n'y a pas les deux coups d'état politique, personne ne sait qu'on n'a pas eu plan. Le plan c'était assassiner le président, briller piste là et puis que n'est-ce qu'on pouvoir. Mais c'est Ariel Henry qui est sur le pouvoir qu'on y a. Par contre, je suis d'accord avec réflexion mieux et surtout. Donc, moi tout à fait d'accord. Donc, ça veut dire bagaille compliqué. Ça veut dire justice pour l'homme. Pour l'amour Jovenel Moïse, justice pour Jovenel Moïse, mes amis, bagaille yo vraiment compliqué. Bagaille yo compliqué parce que, bon, ça, malgré ces Jovenel Moïse, malgré nous qu'on est peuple à ta content, qu'on qui est ce monde qui touye Jovenel, autant intellectuel, qui coûte plime, qui est ce monde qui finance l'amour Jovenel Moïse, mais bagaille yo vraiment compliqué parce que si même monde qui a gouverné aussi même moun qui dans tel pays a yo gen ti men yo ti droit yo participer nan sans Jovenel Moïse donc ça veut dire même nèg sa yo y a dit on commencer pourtant c'est bac y a fait sur do et dossier ça et nous capable ça tout on prend par exemple 8 jours qui t'est passé a c'est était gen tremblement de terre mais nous pas gen aucune actualité sur la mort Jovenel Moïse au lieu de ça. Je pense que les gens ont fait un genre, ils ont fait un bagage comme si pour les gens oublier le dossier. Ça. Pour les gens, si tout le monde oublie le dossier, je pense que c'est plus bon pour eux. Mais malgré ça, il y a quelques avancements qui gagnent dans le dossier. Ça. Par exemple, il y a un nouveau juge qui décide de prendre à la tête pour lui mener une enquête pour connaître qui est monde, qui est auteur intellectuel, qui baille comme ça, qui est auteur intellectuel qui. Trace coup de plume ça pour fêtouiller Jovenel Moïse. Nouveau juge ça c'est Gary Aurélien. Monsieur ça, il était juge déjà Saint-Marc. Après ça, il est venu juge Croix-des-Bouquets. Donc c'est monsieur qui gagne charge là. Et nous songez, il y a un
tweet que Rockefeller il fait sortir, il dit comme ça, la vient monsieur ça, juste ça, la vient toute sous. Alors, il y a vient tout moyen qu'il a besoin, tout support qu'il a besoin, une façon pour être capable de jouer le monde ça. Mais nous pas on est mes amis. Donc je nous dis ça, nous pas on est mais tout ça que nous voulons, tout ça nous ta content, c'est pour Jovenel Moïse de joindre justice de. Pas oublier tout. Monsieur Saligien doit pas arrêter sous dossier ça. Je nous compte ça. Tu gon un un juge qui t'a déjà pris un dossier là et il t'a touillé greffier là. Donc puisque t'es touillé greffier après un petit temps encore monsieur dit dossier ça me lave même tant coup pilote. Donc quitter ça. Donc c'est pour montrer nous comment bagaille là, ils sont dossier qui vraiment difficile, qui vraiment fragile et plusieurs juges passés sous eux. Donc il y a un juge qui dit même tromper pas tromper même dans dossier ça parce que bagaille yo même yo vraiment compliqué. Ça veut dire dossier Jovenel Moïse là, dossier justice pour Jovenel Moïse là. Donc c'est un peu compliqué mes amis. Bagaille yo vraiment grave dans le pays d'Haïti. Yeah, bagaille yo grave et je n'ai pas trop de possibilité de partager réaction que le premier ministre Ariel Henry a fait. Il a annoncé que il est sorti à l'aise. Donc, le pays n'est pas la question du président. Donc, il est sorti à l'aise. Il a tout le pouvoir pour diriger le pays en tant que premier ministre. Pendant que l'opposition lui-même, beaucoup de balles, voulait un exécutif qui a un président provisoire. Donc, et ça veut dire Ariel Henry. Pour qu'on y a, et monsieur, les oppositions ont fait comprendre que je t'ai posé la question ça. Et qui est-ce qui a bénéficié, qui peut bénéficier la mort de Jovenel Moïse? À un certain moment, c'était Claude Joseph. Mais pour qu'on y a là, c'est Ariel Henry. Donc, par contre, c'est une stratégie politique pour qu'un bébé ait une instabilité, dans le sens pour pointer, doit être sur tout le monde qui a dirigé le pays pour décrédibiliser. Si c'est ça, on est bien fait travail là parce que Ariel Henry a pris un pile frappe actuellement. Et tout le monde, comme ça, tout le monde est en à commenter l'actualité ça, OK? Il a commenté l'actualité là et ça vraiment met Ariel Henry dans une situation compliquée. Est-ce que monsieur a démissionné quand il s'est posé question ça? Est-ce que monsieur a démissionné ou bien est-ce que monsieur a toujours resté en place par on? Et personne ok? En tout cas, donc c'est ça, c'est toute information que ça ok nous tenons pour nous. Pas oublier, donc bagayo difficile pour Ariel Henry, mes amis bagayo vraiment difficile là. En tout cas, nous suivons quel que soit ça qui gagne comme actualité, quel que soit ça qui gagne comme nouveauté, donc nous mettre branché parce que tant de causes là, donc nous faut connaître tout petit détail dans le dossier Jovenel Moïse jusqu'à ce que il mette la patte sous monsieur ça ou bien monsieur yo qui fait complot ça. C'est un plaisir, nous t'es content ensemble avec nous, à la prochaine. Ariel Henry pas fouti dormi bien journée jodi a parce que depuis elle marré dans dossier assassinat la mort Jovenel Moïse. Nous pas bon plus information, mais avant n'a mando pour faire un bagage pour nous. Un bagay très important qui c'est abonner ou bien suivre page nous de façon pour capable toujours être connecté ensemble avec nous. Pas oublier like vidéo nous yo, donc ça aide nous, ça encourage nous, ça fait content lorsque nous même nous like vidéo nous yo. Oui, je nous dis ça, bagay yo mangon même, bagay yo compliqué journée jodi a. Comme d'habitude nous ensemble avec zami nous Will, comment y fè pam bagayo compliqué pour Ariel Henry. Et m'a salué tout fidèle auditeur et téléspectateur dans des causes. Moi je suis vraiment en forme, mais situation pays a encore une fois et chaque m'a garder pays a Jean bagayo a fonctionné cas grave. Et dans vidéo aujourd'hui, nous va parler de la situation compliquée premier ministre Ariel Henry trouvé. Et personne ne peut souhaiter trouver une situation ça. Donc c'est actualité ça nous va le commenter aujourd'hui avec vous. Nous souhaitons et petit chaise bon. Nous va le parler. Exactement, je nous dis ça mes amis bagaille compliqué. Après un rapport que Pierre Espérance, un monde qui a dirigé RNDDH fait quoi que monsieur lui-même l'état gamel crampé sous l'assassinat Jovenel Moïse, eh bien, il y a un pile preuve qui montrait clairement que
ça monsieur te dit c'est vrai. C'est vrai à première vue, en pile monde te penser clairement que c'est saboté. C'est parler en pile, c'est parler mettre là que Pierre Espérance lui-même il t'a parlé mettre là. Mais après quelques enquêtes de moun yo même yo rivé fait, yo rivé ouais, c'est vrai monsieur lui-même il t'a eu une conversation jour qui était 7 juillet 2021 juste après la mort Jovenel Moïse ensemble avec un assassin, un monde qui était exécuté mission pour tuer Jovenel Moïse là qui c'est Joseph Félix Badjo. Conversation ça il était commencé à 4h03 du matin et puis il était fini à 4h20. Ça veut dire environ 17 minutes de conversation. Qui ça au tab dit comme ça? Pas bien monde qui connaît. Mais nous même qui c'est moun qui toujours fouille zone en calalo, moun qui toujours là pour nous porter bon genre information pour nous chercher qu'on est, eh bien nous a fouillé, nous promet tout ça, nous a venir avec tout ça que monsieur ça yo même yo te parlé dans conversation ça. Mais kounya, on imagine ça. Monsieur ça qui finit touyer Jovenel Moïse ou bien qui participait dans touyer Jovenel Moïse, pourtant des grandes conversations 17 minutes ensemble avec Ariel Henry. C'est certain, on est capable de dire ça aussi. Donc c'est certain, c'est question là moi je t'ai parlé. Donc ça montre clairement t'a semblé que Negio Ariel Henry Gonti, bon, on va dire en film mais Gonti doit dans la mort Jovenel Moïse. Ça penser sur ça frère pas. Oye, situation compliquée pour Ariel. Par où on est, mais avant même que je commence à faire analyse et situation compliquée que Ariel a retrouvé là-dedans, je fais comprendre que Pierre Espérance en soi, nous connaissons très bien. Pierre Espérance toujours a des rapports tête en bas, qu'elle toujours a fait sauter. Et pour mettre des situations pays, tête en bas. Donc dans ce sens-là, je n'ai pas fini de faire citoyen ou bail pour Pierre Espérance en confiance en rapport. Mais c'est effectif. Citoyen ou bail pour Joseph Badjo dans un téléphone avec le premier ministre Ariel Henry. Quelques heures d'état après la mort du président, ça veut dire en pile. Ça veut dire en pile bagaille. Ça veut dire en pile bagaille dans le sens. Nous songe qui réaction Ariel Henry te gagné les pays amis d'Haïti c'est annoncé que habillé le premier ministre Claude Joseph. Nous songe réaction monsieur te gagné réaction c'est simple, il te fait comprendre c'est lui-même président t'a choisi, donc c'est lui-même qui doit premier ministre. Donc tout bagage ça compliqué, le premier ministre doit être trempé soit 10 ans dans la mort président et puis premier ministre lui-même qu'on a ou même pour pouvoir, pour lui-même les gars en place. Et ces derniers temps, toutes sorties que le ministre Ariel Henry fait, pour moi, c'est des sorties crap. Côté de l'étape défendre, par exemple, Joseph Badjo, il était affirmé que les citoyens connaissent très bien, et M. Bakat Rambé, dans la mort de Jovenel Moïse. Exactement. Gabi opposition qui est en position pour demander pour monsieur démissionner. Parce que cela fait réaction ça pour le défendre Zamil Joseph Badjo. Ça veut dire tout simplement, c'est comme si la baille juge pression, la baille directeur la police la pression, il n'y a pas inculpé Joseph Badjo. Donc tout ça c'est le premier point d'analyse que nous avons fait. Mais sinon, allez plus loin. Nous allons aller plus loin dans une conversation de 17 minutes. Ça, c'est sûr que c'est de l'amour. Jovenel Moïse a parlé. Pas de tout ça. Premier ministre, selon moi-même, comme si pas pays n'a fait, hein? Premier ministre s'est supposé remettre des démissions bien rapide. Et je songe, et il y a un citoyen, c'était consultant ou bien conseiller, et président Jovenel Moïse. Et M. était conseillé tout et Joseph Michel Martelly. Et M. était dit clairement que si lui-même, c'est Stanley Lucas, M. va comprendre si effectivement le premier ministre Ariel Henry a prouvé que le pat dans le téléphone, que le pat qu'on a habité par lui avec Joseph Badjo,
que la jeune tout support lui comme premier comme ancien conseiller président, la balle tout support que un premier ministre besoin pour diriger pays. Mais si de qui t'a rampé et qu'on a habitué à parler dans téléphone avec Joseph Badio, il a choisi de démissionner. Donc j'ai l'impression Stanley Lucas qui était au courant, c'était qu'il était gain information que premier ministre Ariel Henry doit être rampé dans la mort. Comme tu as parlé, c'est un coup d'état peut-être. Encore une fois, c'est peut-être. Nous avons mis des points d'interrogation là. Comme tu as parlé d'un coup d'état politique, personne ne sait qu'on n'a pas eu plan. Le plan c'était assassiner le président, briller piste là et puis. Que n'a pas eu le pouvoir. Mais c'est Ariel Henry qui est sous pouvoir. Par contre, je suis d'accord avec réflexion. Donc, moi tout à fait d'accord. Moi tout à fait d'accord. Donc, ça veut dire bagaille compliqué. Ça veut dire justice pour la mort Jovenel Moïse. Justice pour Jovenel Moïse, mes amis, bagaille vraiment, vraiment compliqué. Bagaille compliqué parce que bon, ça, malgré ce Jovenel Moïse, malgré nous qu'on est peuple à ta content, qu'on qui est ce monde qui touille Jovenel, autant intellectuel, qui coûte plime, qui est ce monde qui. Financer la mort Jovenel Moïse, même bagaille yo vraiment compliqué parce que si même moun qui a gouverné yo, si même moun qui dans tel pays a yo gen ti men yo ti droit yo participer nan sans Jovenel Moïse, donc ça veut dire même nèg sa yo y a dit on commencer pourtant c'est bac y a fait sur le dossier ça et nous capable voir ça tout on peut par exemple 8 jours qui t'est passé à si était gen tremblement de terre. Mais nous pas j'ai aucune actualité sur la mort Jovenel Moïse. Au lieu de ça, je pense que nèg va faire un genre, il va faire un bagaille comme si pour monter ca oublier dossier ça, pour monter ca si tout le monde ca oublier dossier ça, je pense que c'est plus bon pour eux. Mais malgré ça, il y a quelques avancements qui gagnent dans dossier ça. Par exemple, il y a un nouveau juge qui décide de prendre à la tête pour lui mener enquête pour connaître qui monde qui auteur intellectuel qui bail comme ça, qui était intellectuel qui trace coup de plume ça pour fêtouiller Jovenel Moïse. Nouveau juge ça c'est Gary Aurélien. Monsieur ça, il était juge déjà Saint-Marc. Après ça il est venu juge Croix des Bouquets. Donc c'est monsieur qui gagne charge là. Et nous songeons, il y a un tweet que Rockfen a fait sortir, il dit comme ça, la vienne monsieur ça, juste ça, la vienne tout sous. Alors, il y a vienne tout moyen qu'il a besoin, tout support qu'il a besoin, une façon pour être capable de jouer le monde ça. Mais nous pas on est mes amis. Donc je nous dis ça, nous pas on est mais tout ça que nous voulons, tout ça nous ta content, c'est pour Jovenel Moïse de jouer justice lui. Pas oublier tout. Monsieur ça, il doit pas arrêter sur dossier ça. Je nous compte ça. C'est qu'on un juge qui était déjà pris un dossier et il était touillé greffier. Donc puisque tu touillé greffier après un petit temps encore monsieur dit dossier ça me lave même tant coup pilote. Donc il quitter ça. Donc c'est pour montrer nous comment bagaille là, ils sont dossier qui vraiment difficile, qui vraiment fragile et plusieurs juges passés sous eux. Donc il y a un juge qui dit même tremper pas tremper même dans dossier ça parce que bagaille eux même yo vraiment compliqué. Ça veut dire dossier Jovenel Moïse là, dossier justice pour Jovenel Moïse là, donc c'est un peu compliqué mes amis. Bagaille yo vraiment grave dans le pays d'Haïti. Yeah, bagaille yo grave et j'ai pas trop jamais la possibilité de partager réaction, bonne réaction du premier ministre Ariel Henry t'a fait. Il était annoncé que il sentit à l'aise. Donc pays a il parle en question président. Donc il sentit à l'aise. Il a tout pouvoir pour diriger le pays en tant que premier ministre. Pendant que l'opposition lui-même, beaucoup de balles, voulait un exécutif qui a un président provisoire. Donc, ça veut dire Ariel Henry, pour qu'on y a, et l'opposition lui fait comprendre que tu as posé la question ça. Et qui est-ce qui a bénéficié? Qui peut bénéficier de la mort de Jovenel Moïse? À un certain moment, c'était Claude Joseph. Mais pour qu'on y a là, c'est Ariel Henry. Donc, par contre, c'est une stratégie politique pour qu'un bébé ait une instabilité, dans le sens pour pointer, doit être sur tout le monde qui a dirigé le pays pour décrédibiliser. Si c'est ça, on a bien fait travail là, parce que Ariel Henry a pris un pile frappe actuellement. Et tout le monde,
tout le monde comme ça tout le monde qui a commenté actualité ça, OK? Il a commenté actualité ça et ça vraiment mettait Ariel dans une situation compliquée. Est-ce que monsieur a démissionné quand il s'est posé question ça? Est-ce que monsieur a démissionné ou bien est-ce que monsieur a toujours été en place pas on est. Et personne mon baronne. OK? En tout cas, donc c'est ça. C'est toute information que ça ou que nous t'ai pour nous. Pas oublier, donc bagaille difficile pour et Ariel Henry, mes amis bagaille vraiment difficile là. En tout cas, n'a suivre quel que soit ça qui gagne comme actualité, quel que soit ça qui gagne comme nouveauté, donc nous mettre branché parce que tant de causer lui là. Donc n'a faut connait tout petit détail dans dossier Jovenel Moïse jusqu'à ce que il arrive mettre la patte sous monsieur ça ou bien monsieur yo qui fait complot ça. C'est un plaisir, nous t'es content ensemble avec nous, à la prochaine.